tout le monde ici, là, c'est 17 et nous à 3 avec Mr. Alex sur Minecraft. Et bah c'est ça. Pièce sans résolution sur la The Red Series. Oui. Et on va vous présenter le... C'est quoi qu'on va présenter? Ah, il pleut. C'est pas ça. C'est le... La machine à potions. Yeah, la machine à potions automatisée que j'ai pensé totalement en avec grâce au serveur UHC, tout simplement puisque j'ai vu Captain Biceps qui avait fait un entonnoir par-dessus ces trucs de popo pour faire ces trucs, puis un autre entonnoir en dessous qui les mettait dans un coffre. Alors j'ai fait, eh ben on va faire un truc auto avec ça. Puis là, ben, j'ai galéré max parce que je savais pas que la redstone stoppait les entonnoirs, fait que là ça tout coulait comme des fous, fait que là j'étais comme si de la merde. Et puis là, ben, j'ai découvert la petite découverte, voilà. Fait que les potions de Star Hill, comme vous voyez ici, sont prêtes. Quand vous avez terminé de faire vos potions, vous cliquez. Et voilà, des nouvelles bouteilles sont venues. Et vos 3 potions de Star Hill sont dans le coffre des potions, tout simplement. Puis pour préparer vos potions, c'est très très simple. Donc ici, vous mettez toutes vos bouteilles, ils vont dans l'entonnoir aussi, et ils se dirigent là-dedans pour que ce soit prêt. Puis vous avez plusieurs coffres. Toutes les coffres du haut, c'est pour les bouteilles. Vous les remplissez de bouteilles. Les pour remplir les ingrédients, ben, vous avez 2 coffres d'ingrédients sur les côtés, avec lesquels vous allez prendre, exemple, je pense ça. Non, attendez. On va faire ça. On va faire 2, tiens. Ah ben j'ai pas besoin, je suis con. Ça me fait 3 à la fois. Je prends ça, puis je prends la netherward. Elle est où la netherward? Je crois que je l'ai pas pris. Netherward. Oui. T'en veux? C'est bon, je l'ai. Et voilà. Donc quand vous avez vos ingrédients, vous avez 2 façons de le faire. Vous ouvrez et vous mettez les trucs en ordre. Bien sûr, faut les mettre en ordre. Ou vous les droppez en ordre, c'est bien plus stylé. Mais c'est pas. Fait que vous droppez. Là, tous les trucs sans fil d'attente. Et ça cuit votre... Ben ça cuit, ça fait votre potion automatiquement. Fait que là, vous avez qu'à attendre. Prends les pas, s'il te plaît, Alex. Ah, c'est ça. Fait que là, en attendant... je vais vous présenter le circuit Redstone. Fait que... Bon, la maison, j'ai fait un petit design, mais bon. Le circuit Redstone, il est pas très compliqué. Une torche qui laisse toujours les pistons allumés pour les cubes de Redstone en arrière. Puis, désolé, j'ai des allergies, ça va un peu mal parler. Puis, c'est ça. Fait que... Le même cube est connecté au bouton à l'intérieur. C'est important d'avoir un bouton en pierre. Je sais que c'est pas trop visible toujours. Au début, j'avais mis un bouton en bois, mais ça laissait passer 3 petits trucs comme ça. Fait que c'était pas une bonne idée. Bon, là, une fois que vous voyez, là, ils sont prêts. Fait que là, votre truc a arrêté de faire de l'alchimie. Vous cliquez et voilà. Puis le but, c'est que quand vous sachez qui sont prêts, ben ils sont tous prêts, hein. Fait que tout ça va direct dans l'entonnoir. Puis là, c'est Alex. Merci. Allez, c'est 1 minute 30. Allez, on voit ça. Hop là. Donc des jump 2, jump boost 2 qui peuvent nous permettre de monter à un bloc et un demi-bloc. Donc génial, hein? Les effets des potions. Des fois, il y en a qui le connaissent pas. Le seul problème, c'est les dégâts de chute qui changent pas. Moi, je ferais que ça te fait un feeder falling. Bon. C'est ça. Fait que, en gros, ça c'était la machine. Fait que vous mettez vos ingrédients. Pour celle-là, vous mettez vos ingrédients. Fait que dans une petite salle, j'ai réussi à en rentrer 4. C'est pas mal le max. Je pourrais en rentrer peut-être. Non, même pas. Je peux pas en rentrer un autre. C'est vraiment le maximum que j'ai pu faire. Niveau de l'optimisation, bien sûr l'eau pour remplir nos fameuses fiole, oui merci. Et puis c'est ça. Puis ces repeaters là, ils servent juste à amener le courant plus loin, comme vous voyez rendu faible ici. C'est pour amener le courant plus loin. Puis là la musique elle commence à devenir forte là. Pas grave. Fait que c'est ça. As-tu quelque chose à rajouter? Non, non, je pense que t'as tout dit. Bon, après, on peut encore imaginer d'autres usines à potions un petit peu plus compliquées. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Un petit système comme ça, c'est bien pratique. Ouais. C'est surtout ça. J'avais déjà eu une idée. Oh, excuse, j'ai accroché mon casque. J'avais déjà eu une idée. Ouais. On pourrait faire en fait une ligne. Comme tout ouais. Tous les trucs de potions sont en ligne. Puis on met les trucs à la verticale. Au lieu de les mettre comme ça, là, à côté sur les murs, on les met tout à la verticale. Ça pourrait être fou. Tu remplis toutes les bouteilles d'un autre sens, puis tous les trucs. Ouais. Ça pourrait être fou, là. Ça nous en ferait des millions sur une petite rangée. C'est une grosse machine. Mais bon, ouais. Ouais, on pourrait le faire. Bon, mais un jour, je vais quand même faire une machine à potions full auto, tu vois. Ouais, mais je sais ce que tu veux, là. Je voulais justement pas faire ça. Je dirais, ça c'est semi-auto, tu sais. Parce que la machine à potions full auto, j'aime pas ça. Genre, je veux faire mes potions, je veux être dans la pièce, je veux faire les trucs. C'est quand même... Ah ouais, mais moi j'utilise la redstone pour pas me fatiguer. Ben oui. Parce que je suis fainéant, moi. Je sais, je sais. Oui, et le champ, enfin la ferme à... animaux qui est toujours pas fini là-bas. Ouais, qui avance. Mais ouais, ça avance doucement. Là-bas. Là, il faut encore que je fasse le grinder et normalement, ça sera fini. Si tu veux, je vais faire spawner, je vais me give un spawner, puis je vais modifier. C'est quoi qui... Ça va être quoi genre? Ça, je sais pas, c'était rien. Non mais... Comme je vais mettre exemple un spawner de l'affaire pour qu'on puisse créer des mob grinders en surface. Oui, comme tu veux. Ça serait plus simple pour le circuit redstone, on s'entend que les mob grinders sur Terre, c'est pas toujours chill. Oui, comme tu veux. C'est bon. Ça ok. Peut, ouais. Fait que je pense qu'on va se laisser là. Donc j'espère vous apprécier cette vidéo, c'était la machine à popo et prochain épisode, la petite machine à poulet qui va pas mal ressembler à l'autre machine qui lance des poulets, mais celle-ci est un petit peu améliorée. Merci et bonne journée. Bye bye.